Vous êtes nombreux à me demander une solution pour recevoir mes bacs sur pied, prêts à l'emploi. Ça fait des années que je cherche sans avoir vraiment réussi à vous proposer une solution abordable. Je tenais vraiment à garder la qualité de ma conception. Après bon nombre d'essais, j'ai finalement trouvé un partenaire capable de vous proposer mes modèles livrés chez vous, prêts à remplir. Je me trouve actuellement dans son atelier situé à Yvetot, à 50 km de Rouen. Ces bacs sont fabriqués en Douglas, un bois naturellement classe 3, dans une section de planches de 3 cm, soit des planches encore plus épaisses que ce que je vous propose dans mes plans. Un autre avantage et de taille, c'est la qualité des assemblages. Alors que moi je vous propose de simples assemblages par vis sur les éléments de structure du bac, mon partenaire vous propose des assemblages à tenon mortaise, donc beaucoup plus résistants. Tellement résistants que l'on a fait un test de charge. 1 tonne 500 dans un bac sur pied de 1,20 m de côté, soit 3 fois la charge qu'il doit recevoir une fois rempli de terre. Les bacs sont prévus aussi pour recevoir une colonne de 30 par 30 au centre pour l'ascenseur à verre de terre. Comme dans les plans, là vous avez 3 tailles disponibles. Les plus petits font 1,20 m par 60, le standard c'est 1,20 m par 1,20 m et les plus grands 1,20 m par 2,40 m. Pour accroître encore plus leur durée de vie, les bacs sont livrés avec la protection des sous-bassements déjà installés. En bref, ils sont livrés chez vous, prêts à être remplis et cultivés. Par contre, vous devez savoir que le livreur n'est pas là pour l'installer dans votre jardin. Le livreur déposera la commande au pied de votre barrière et ne rentrera pas chez vous. Alors le jour de la livraison, prévoyez une paire de bras en plus, car les bacs sont lourds. Il faut être au moins 4 pour déplacer le plus grand de 1,20 m par 2,40 m. Pour l'instant, je peux vous proposer des bacs sur pied et des bacs surélevés, toujours déclinés en trois versions, les 3 longueurs que je viens de vous énoncer. Concernant le prix, je sais déjà que beaucoup vont trouver ça trop cher, mais il faut comparer ce qui est comparable. Mon objectif, c'est de vous proposer des bacs qui vous rendront service pendant des dizaines d'années, et pas une solution en allumettes qui se disloquera après 2 saisons. Après, c'est à vous de juger si vous préférez sortir les outils fabriqués par vous-même, les bacs que je vous propose dans mes plans. Pour vous aider à décider dans les plans que je mets à votre disposition, il y a la liste des courses avec le montant de tous les matériaux nécessaires à chacune des fabrications. À titre d'exemple, pour fabriquer un bac sur pied de 1,20 m de côté, il faut compter 200 euros de matériel chez Brico Dépôt. Moi, je vous propose ce même bac, tout fait pour 357 euros. Si vous venez le retirer sur place, à Yvetot. À ce prix, il faut ajouter 100 euros pour la livraison partout en France. Voilà, vous savez tout. Maintenant, je dirais, c'est à vous de choisir. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.